Bonjour à tous, c'est Matt Van F. Et donc on va aujourd'hui sur Train Station, on va essayer de terminer cette gare. Donc il nous faut du coup acheter vivant distributeur alimentaire. Donc il en faut deux, donc ce sera un comme ça. Ensuite, machine à café, machine à tickets. Donc ça c'est ça, il en faut une. 6 déco, 2 comme ça, on va mettre une flèche vers là, une flèche vers là, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et il nous faut du coup 6 poubelles. On va mettre celle-là. Non, 2 poubelles. Allez, c'est parti. Hop, on commence par les bancs. Alors, 1, 2. Hop. 3. 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, distributeur alimentaire, on va les mettre là, tiens. Donc on va mettre un comme ça, le 3 c'est celui-là. Ensuite, la machine à billets, on va mettre là. Les décos, alors on a le 5, une petite fleur par là, une petite fleur à l'entrée. Passe à 98. Qu'est-ce qui manque? Alors, la sortie c'est par là, on va dire comme ça, le 7, on va faire sortie par là, le 8, hop, non c'est bien parce que là, ça me dit de sortir par l'autre côté. Ouais, on va faire comme ça. La 9, on va la mettre comme ça. Et la 0, c'est les poubelles. J'en mettrai bien une là. Et une là. Fini. Terminé. 1h07. Elle est grande aussi comme gare, il y a plein de choses à faire. Alors du coup, on va commencer. Une nouvelle gare. Donc pour ce faire, c'est la gare. C'est laquelle? C'est une nouvelle gare, ça. Les passagers nouveaux sont. Nous avons reçu un appel du directeur lui-même pour la nettoyer. Les trains étaient déjà là, ne peuvent pas partir sans notre aide. Et ils sont bloqués. Ils ont bloqué toute la ligne. Allez hop, c'est parti. Donc ça, c'est une nouvelle gare qu'ils ont rajoutée depuis la version finale du jeu. Donc, trouver la clé de la salle de contrôle. La clé de la salle de contrôle. Je suppose que ça a été marqué quelque part. Alors, des fois, task 0, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'aide à mon avis. Parce que la salle de contrôle, elle est ouf.
Parce que là, en fait, normalement, on devrait pouvoir monter. Hein. On va juste faire gaffe. Je sais pas, est-ce que je mets un séparé ou un trié ou un mixte? Je vais mettre un mixte là. On va mettre en place les poubelles aussi. On va mettre je vais mettre un séparé là. Ici, on va mettre un. Non, un mixte, et là, on va mettre un séparé. Attends. Alors, il faut pas être dedans, sinon ça marche pas. Là, il n'y en a pas d'autres, les trucs à mettre. Non. Non, là-bas, il y en a un aussi. Oh, ça va être chiant à tout prendre comme ça. Là, on va se mettre un mixte. Ok. Et ici, on va mettre un séparé. Donc là, on peut ouvrir. Celle-ci était démontée ou du moins réparée. Donc pour ce faire, on utilise la clé. Et par contre, il nous faut trouver la clé de la salle de contrôle. Ça, c'est les toilettes. Ok. Alors, je crois qu'on a. La lampe, elle est où là-dessus? Donc là, on peut pas ouvrir parce que c'est la salle de contrôle et que pour l'ouvrir, il faut la clé. Et que la clé, eh ben, il faut la trouver. Et que pour la trouver, il faut la chercher. Tiens, oh, elle est pas visible la clé, allez. Vas-y, salle de contrôle ouverte. Alors, ce qu'on va faire déjà pour commencer, c'est du coup, voilà, on a accès à la salle de contrôle. Alors, forcément, il y a un problème avec les tubes, avec les lumières. Donc, on va tous les réparer. Comme ça, on verra plus clair. Il en reste un ici. Ensuite, c'est ça les leviers? On règle tous les leviers selon le schéma dans le bâtiment avec la salle de contrôle. Dans le schéma, alors, le schéma il doit être là, je pense.
Règle tous les leviers d'aiguillage selon le schéma dans le bâtiment. Dans le bâtiment avec la salle de contrôle. Donc je pense que ça c'est le schéma. Ah mais non, le schéma il est là, je suis con. C'est ça le schéma? Je pense qu'il faut tous les mettre, non? Ou pas? J'en ai aucune idée. Est-ce qu'on pourrait... Alors, règle tous les leviers selon le schéma se trouve sur le mur à l'intérieur de la salle de contrôle. Sur le mur. Oh, oh putain. Oui. Ça veut dire que je pense que le 1 et le 2 doivent être de l'autre côté. C'est le 3 et le 5 qui doivent être de l'autre côté. Je pense que c'est ça, hein. 3, 5 et 9. Réparer les gages, c'est fait. On pourrait pas avoir. Donc maintenant, il faut aller réparer les grillages. Donc on va faire ça aujourd'hui. Normalement, ça va être marqué. Alors, on peut aller voir ce qu'il faut faire. Un des aiguillages est cassé. Tu peux le trouver quelque part près des trains. Non, il n'y a pas d'aiguillage. Bah tiens. Du coup, on prend la clé, on la répare. Voilà. Aiguillage réparé. Tâche terminée. Donc maintenant qu'on a terminé les tâches. Non. Et ben, ce qu'on peut faire, c'est commencer à nettoyer. Alors, surtout qu'elles sont automatiques, ces portes. Pourquoi je peux pas monter? Ah, mais... Voilà. Alors, à mon avis, la bombe de peinture... Elle est où? Ah, il faut peut-être acheter des... Ça sent le volant qui me fait chier.
Alors, oh, couleur jaune. Ça coûte combien le bordel là? Allez, on va s'en prendre 3. Bref, allez, tant qu'à y être, hein. Bon. Elles sont où les bombes de peinture, c'est celle-là? Eh, ça a de la gueule. Ça a beaucoup de gueule. Allez. Ça va mettre un peu de gaieté dans tout ça. Donc ça, c'est les nouveautés du mode de la version finale. C'est-à-dire qu'on peut peindre les wagons. Et les locomotives. Alors, les premières choses à faire, ce serait peut-être de finir de réparer les choses. Intérieur, extérieur. Et puis après, on verra. Hop. Donc les chaises, donc tout ce qui est siège cassé, vitre cassée. Les porte-bagages aussi. Hop. Alors, ce qu'on peut faire aussi, tant qu'on est là, c'est faire P. Comme ça affiche tout ce qu'il y a à faire. Pendant un petit moment. Hop. Donc on va tout réparer ce wagon, bah du moins ce train-là. Et après on passera aux autres. Et puis ça c'est enlevé, ça aussi. On peut commencer à le réparer. Ok. Ça on peut réparer. Après avoir enlevé les morceaux de verre cassés, hein. Donc là, on est d'accord que là, il reste encore deux porte-bagages. Et après, ça sera fini. Donc là, on est d'accord que dans ce... Alors, si c'est pas là, c'est peut-être de l'autre côté. Tiens, celui-là est mort. Ça, c'est bon. Ça, c'est mort aussi. Là, c'est bon. Celui-ci a son avant de casser.
faire. Ça, c'est mort aussi. Ça aussi. Alors, de ce côté-ci, on a ce siège qui est cassé. Cette vitre à remplacer. Ça à changer ou à réparer. Je crois que c'est... Ah voilà. Forcément, ça sera mieux avec la lampe, on verra mieux. Ça, c'est à réparer. Hop. Ça aussi. Ça, c'est mort. À côté, il y a la vitre de cassé. Hop. Ça, c'est à réparer. Ça, pareil. Ça, c'est mort. Un sac. Et du verre en plus. Hop. Bon, on va réparer le siège, comme ça on va pouvoir tranquillement prendre le morceau de verre qui est cassé. Hop. Ok. Ça c'est mort. Faut le réparer. Ça c'est pareil. Hop. Voilà. Celui-là, on peut le réparer. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à réparer? Oui, le système de... Je sais pas ce que c'est ça. Ça doit être des bonbonnes. Bon, tiens, ce côté-ci, c'est pareil. Hop. Bon. Là, ça a l'air d'être bon. Alors, sur celui-là, qu'est-ce qui va pas? Bah, y a rien qui va pas. Ouais, à part des gros déchets, mais je m'en fous des gros déchets. Moi, ce que je veux, c'est savoir s'il y a des trucs à réparer. Celui-là n'a pas l'air d'être amoché. Alors celui-ci, il est bon aussi. En gros, il n'y avait que l'autre quand même. Eh ben écoute, apparemment oui. Donc, celui-là il n'est pas réparé. Par contre, il faut que je sache
Qui était à réparer ou pas? Ah bah j'ai trouvé. Ponçage des rails, mais ça c'est compris dans les rails. Alors est-ce que là... Là il n'y a rien. Si, il y a cette portion là aussi. Enfin, ce morceau de rail. Ça aussi. Je crois que les traverses, elles font partie des trucs à réparer aussi. Hop. Donc là, c'est pareil. Hop. Allez, on va tout faire celui-là. J'ai l'impression qu'il n'y a que celui-là à faire. En rail. Ah, faudra voir. Hop. Et faut éviter de sortir du rayon. Mais bon, ça. J'ai l'impression que ça va assez loin quand même. Je pense qu'on doit s'arrêter là, à mon avis. Donc, on va faire pareil de ce côté-ci. Et on verra si au niveau réparation de rail. Si on est à fond ou pas en faisant tout ce rail-là. 92, c'est possible qu'avec celui-là, ce soit qu'il n'y ait que celui-là à faire. La preuve. Alors du coup, pour enlever cela, il nous faut normalement. C'est celui-là. Alors, celui-là. Donc c'est le même symbole que quand on répare. Donc la clé et le pied de biche, ça fait la même chose. Je me demande s'il n'y a pas des trucs à... Bon, déjà ça libère. Donc la hache, c'est juste pour démolir des trucs, hein. Par contre, je pense que pour en revenir à celui-là, on doit avoir... Des bancs. Ça là c'est bon. Ça reste là. Ça c'est à prendre. Alors est-ce qu'on a encore des trucs à faire au pied de biche? Le tapis, hein. J'ai l'impression qu'on a tout fait ici. Ça va être à faire avec à prendre à la main, on peut pas faire autrement.
ça. Démolition. Ça se fait à la main. Ça aussi. On va aller voir à l'intérieur s'il n'y a pas autre chose à démonter. Donc celui-là, on peut le démonter avec ça. Je crois que après il reste tous les toilettes aussi. Tiens. Ça se démolit. Alors après, il reste. Là, il n'y a plus rien. Ok. Changement de porte, ça sera plus beau. Il reste encore 91% des trucs à nettoyer, à enlever. Alors ça, c'est à casser. Ça, c'est à détruire aussi. Donc nous, on va s'arrêter là et puis la prochaine fois, on continuera d'utiliser. Le pied de biche pour enlever ce qui est ce qui a cassé ou je sais pas où il faut aller, où il faudra aller. Il y a peut-être des trucs ailleurs. Ah bah. Ah non, cela fait pas partie. Ah bah ça c'est. Alors voilà, donc ça fait pas partie du truc à réparer. Bon, il doit y avoir des trucs à démonter ou. Parce que là je vois qu'il y a encore le symbole. Ah, ça reste à voir. Non, mais si, il y a encore des vents ici. Il reste encore des vents. Bon, il reste encore quelques trucs à démonter. Hein. On verra ça la semaine prochaine. Nous, on se retrouve demain pour du car mécanique. Par contre, je crois que la semaine, cette semaine, ou la semaine de l'enregistrement des vidéos, il y a un nouveau DLC qui sort sur American Truck, donc c'est le DLC Colorado. Donc je pense qu'ils vont nous rajouter encore des villes et des garages à découvrir sur American Truck. Donc, je reviendrai sur American Truck quand il y aura le DLC, mais vu que c'est cette semaine qui sort. C'est-à-dire que la semaine prochaine, il risque d'avoir une vidéo sur American Truck. Donc on se dit à demain pour du car mécanique. N'oubliez pas les commentaires, les pouces bleus et les abonnés. Et puis on se retrouve demain. Allez, ciao, ciao et à demain.